أستاذ Oui. On commence à Oustad. Oui, il n'y a pas de problème, je suis là. D'accord, Oustad, on commence. Donc, bonsoir tout le monde. L'association Al-Hakim se fait toujours le plaisir de vous inviter à sa série de formations médicales continues. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir notre cher éminent professeur Al-Alami, professeur de cardiologie. Et après le dernier webinaire qui a eu beaucoup de succès et beaucoup de feedback positif, Inch'Allah, on souhaite une bonne formation pour cette session aussi. Nous remercions les laboratoires Novartis d'avoir accepté de sponsoriser cette réunion. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'HTA, le jeûne, l'HTA, risque et bénéfice, mais aussi de toute la pathologie cardiaque qui pourrait être l'objectif ou le motif de consultation au cours du mois sacré de Ramadan. Par la même occasion, je vous souhaite un bon Ramadan, encore une fois, Oustad Al-Alami, merci beaucoup d'avoir accepté. Continuer ce trajet avec nous et ce parcours de formation médicale continue. La parole est à vous. Donc, la présentation va durer dans les 40 minutes et par la suite, on aura la discussion. Et bienvenue à toutes les questions. À vous la parole, Oustad, et merci beaucoup encore une fois. Salam alaikum. Merci à vous. Merci à vous, docteur Harry. Merci à Al-Hakim. Et bon, Novartis pour nous donner l'occasion de nous retrouver. Et je crois que c'est très intéressant, très important d'aborder ce sujet du Ramadan. Donc, merci pour le choix également de ce thème-là. Parce qu'on est confronté à un problème pendant le mois de Ramadan et parfois on hésite à répondre aux patients et il faudrait qu'il y ait un consensus, qu'il y ait un accord. Et si on est dans cette hésitation, c'est surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Alors, je voudrais commencer par une promesse. Je vous ai promis la semaine dernière. Et c'est une petite parenthèse qu'on va faire. Je vous ai promis, parce qu'il y avait une question importante sur les IEC et dans quelle pathologie, je vais prendre une petite parenthèse parce que c'est une promesse. Alors voilà, c'est la première diapositive. Avant de commencer le sujet, on va voir quels sont les IEC et pour quelle pathologie. Alors, quand on a une nouvelle hypertension artérielle et on a souvent peur de faire un accident vasculaire cérébral, et donc en général, quand on veut traiter une HTA et prévenir un AVC, je vous le dis tout de suite, les IEC sont quasiment tous équivalents puisqu'ils font baisser la pression artérielle plus ou moins de façon identique. Maintenant, il y a des études qui ont été menées dans certaines pathologies. Exemple, chez le patient qui a un haut risque de faire un AVC, il y a l'étude avec le perindopril qui était franchement positive et qui encourage le perindopril en prévention primaire et secondaire dans le risque d'AVC. Il y a les personnes qui sont à haut risque cardiovasculaire de façon générale. Et là, on pense tout de suite à l'étude HOPE avec le ramipril et le perindopril avec l'étude EuropA. Maintenant, lorsqu'il y a une HVG et qui va évoluer parfois, la maladie cardiaque va et l'hypertension vont évoluer vers un infarctus et dans le post-infarctus et dans l'insuffisance cardiaque. Alors voilà ceux qui ont eu des études. Je le répète, ça ne veut pas dire que les autres ne marchent pas, mais ceux qui ont des preuves, lisinopril dans l'HVG et captopril, enalapril, lisinopril, zofénopril, tous ces médicaments-là sont actifs dans le post-infarctus et dans l'insuffisance cardiaque, avec le ramipril également dans l'insuffisance cardiaque.
Maintenant, chez les diabétiques, et c'est surtout les études qu'il y avait, c'était sur la neuropathie diabétique, il y a le ramipril, le captopril et l'enalapril. Maintenant, sur le rein, micro, macro, ALP et insuffisance rénale, on a le ramipril, où il y a beaucoup d'études. Voilà, en gros, c'est ça un petit peu les IEC, c'était une promesse. Maintenant, on aborde Ramadan. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous dire Ramadan Mubarak Saïd. والله يدخلوا علينا بالصحة وبالخير الجميع. Donc, concernant le mois de Ramadan, le titre c'est bénéfices et risques. On connaît les bénéfices du jeûne. On connaît très bien de plus en plus le jeûne intermittent qui se fait actuellement. Il y a une vague de mode vers le jeûne intermittent. C'est laisser se reposer aussi bien l'estomac que le foie, que la glucogenèse, et on verra tout ça tout à l'heure. Donc, les bénéfices, ils sont connus, reconnus, baisse de la glycémie, baisse du cholestérol total, diminution de l'obésité, baisse de tension artérielle, etc., etc. Les bénéfices, même du chaleur, ils sont là, il y a toutes les preuves. Maintenant, la question qui se pose le plus souvent, c'est: est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est là où on devrait s'attarder et c'est là où je demanderai à mes amis qui nous suivent de nous donner une petite minute de concentration, puisqu'on va essayer de comprendre comment ça se passe. Je crois que si on comprend comment ça se passe dans notre organisme, on pourra plus facilement répondre aux malades. Alors, voilà ce qui se passe. Quand on jeûne, il y a des modifications hémodynamiques. C'est quoi? Eh bien, ces modifications hémodynamiques, il y a la transpiration et la perte de liquide qui est environ 0,4 cc par kilo par heure. Si on fait le calcul, ça va faire sur un jeûne qui va durer 12 heures, c'est à peu près 350 cc de perdu par la transpiration. À côté de ça, il y a les urines. 1,5 cc kilo-heure. En 12 heures, c'est 1250 cc. Et donc, au total, si on les additionne, en 12 heures, on perd en liquide, en 12 heures de siam, en 12 heures de jeûne, on va perdre 1500 cc. Et vous savez, notre volume sanguin, il est à peu près de 5 litres. Maintenant, et c'est très important, si on est en été, au sud, et il fait chaud, on a 16 heures de jeûne, et sans compter l'augmentation de transpiration, avec 16 heures de jeûne, on perd 2 litres. 2 litres sur 5. 40% du volume sanguin est perdu pendant la journée de jeûne. 2 litres. Et si on transpire beaucoup, ça peut arriver à 2 litres et demi. Imaginez, qu'est-ce que c'est 2 litres et demi? C'est la moitié du volume. C'est simple, notre volume sanguin, c'est l'équivalent d'une bouteille de 5 litres, si n'importe quelle eau ou quelle huile, une bouteille de 5 litres, c'est le volume sanguin. Eh bien, on l'ampute de moitié au bout d'une journée de jeûne, 40% à 50%. Comment l'organisme va s'adapter à cette hypovolémie? C'est une perte de volume considérable. Ce qui fait, et là, CO, c'est le débit cardiaque, cardiac output, il est égal au volume éjecté multiplié par la fréquence cardiaque. Ça, c'est une formule basique en cardiologie. Notre débit cardiaque, c'est égal à ce que va éjecter le ventricule à chaque systole multiplié par la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de systoles par minute. On aura le volume par minute, donc le débit. Eh bien,
Si on perd la moitié ou 40% de notre volume, le stroke volume, c'est-à-dire le volume qui est éjecté à chaque fois, au lieu d'être de 80 millilitres, eh bien, il va être de 40 millilitres, il va diminuer. Si on reste comme ça, qu'il n'y a pas d'adaptation cardiaque, la conséquence, c'est qu'il y aura une chute de la tension, une hypoperfusion, et on se mettrait debout, on tomberait. Heureusement qu'il y a plein de mécanismes d'adaptation. Le premier, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire, on compense le manque de volume, c'est-à-dire on a 40 millilitres au lieu de 80, et bien on va faire battre le cœur une fois et demi plus, c'est-à-dire au lieu de 60 battements, on se retrouvera facilement à 90 battements par minute pour compenser. Voilà. Quand on dit augmentation de la fréquence cardiaque, on compense parce que les barorécepteurs, lorsqu'ils vont percevoir qu'il y a une chute de pression à cause de l'hypovolémie, vont stimuler le système sympathique. Le système sympathique, c'est lui qui va donner et compenser cette hypovolémie en faisant une hyperadrénergie. Vous savez, l'hyperadrénergie, ça donne la vasoconstriction, donc la pression dans les artères va augmenter et elle donne aussi, l'hyperadrénergie va activer et stimuler la fréquence cardiaque, donc un effet qu'on appelle inotrope positif. C'est pour ça qu'on a une tachycardie, mais on a aussi une augmentation de la précharge, c'est-à-dire du retour veineux, parce qu'il est aussi veinotonique. On va contracter les veines pour que tout le sang qui est dans le réseau capacitif remonte vers le cœur droit et qu'on l'engage dans la circulation. Et enfin, ça augmente la postcharge. Quand on voit tout ça, eh bien, il y a une grosse augmentation du travail cardiaque pour aboutir à la compensation de l'hypovolémie pour maintenir un CO qui est relativement correct. À côté de tout ça, de cette augmentation du travail du cœur, l'hyperadrénergie induit une hyperagrégabilité des plaquettes, ce qui fait que le risque de thrombose augmente. Et entre parenthèses, on a des personnes qu'on suit et je voudrais parler d'une en particulier qui, chaque mois de Ramadan, fait une phlébite. Le premier Ramadan, on lui a dit c'était peut-être dû au jeûne, et le deuxième Ramadan, il a dit je vais jeûner, et il a eu sa phlébite. Et c'est au bout de la troisième année qu'il a compris qu'il n'est pas question de jeûner lorsqu'on a fait, lui en particulier, lorsqu'il a fait une phlébite et qu'il y a un risque de récidive, c'est-à-dire un terrain d'hyperagrégabilité plaquettaire. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme d'adaptation qui est lié au système sympathique. Et il y a un mécanisme d'adaptation lorsqu'il y a une hypovolémie. Il n'y a pas que le sympathique. Le sympathique réagit très vite dans le temps, mais à moyen et long terme, on a besoin du système rénine-angiotensine. L'activation du rénine-angiotensine-aldostérone système, eh bien, c'est elle qui va permettre un hyperaldostéronisme et donc ça va réabsorber l'eau et le sodium à partir du tube collecteur et un hyperréninisme qui va permettre la réabsorption de sodium dans le tube contourné distal. Tout ça va permettre, à côté de ça, bien sûr, il y a une alcalose métabolique et une hypokaliémie. Ce système rénine-angiotensine permet de réabsorber l'eau et le sodium. Donc, c'est une compensation, on va l'appeler rénale. Alors que tout à l'heure, c'était une compensation cardiaque. Et vous voyez, la cardiaque, elle est sous
l'activation nerveuse du sympathique, et c'est très rapide, sinon on ne tiendrait pas debout, et l'activation à moyen terme, c'est le système rénine qui est plus lent, mais qui fait intervenir le rein. Voilà, alors vous avez en résumé hypovolémie, hyperadrénergie, activation du système rénine angio tensine. Je crois que si on a bien saisi ça, on peut comprendre beaucoup de choses au cours du jeûne, Siam, et cœur et Ramadan. Voilà. Il y a des risques d'événements cardiovasculaires, il y a des risques de fluctuations de tension qui sont importants, et il y a des risques d'arythmie. Les risques d'arythmie sont aussi très importants. Voilà. Alors, deux mots sur le glucose pour terminer. C'est que, regardez, s'il vous plaît, les quatre premières heures de Siam, eh bien, on utilise le sucre qu'on a beaucoup mangé la veille au soir. Au bout de la quatrième heure, ça fait. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme glucose? Eh bien, on va faire la glycogénolyse. Les réserves lifent le foie, le glycogène va être libéré et il va être transformé en glucose, catabolisé, coupé. Les molécules de glycogène vont être coupées en différents glucoses et ça permet de maintenir la glycémie de façon très très bien jusqu'à 16 heures, vous voyez. En général, une longue journée, c'est 16 heures. Mais attention, quand on approche les 16 heures, eh bien, le glucogène catabolisé ne suffit plus et à ce moment-là commence la néoglucogenèse, c'est-à-dire à partir de la protéolyse, de la lyse des protéines, il y aura une synthèse et une fabrication de glucose pour essayer de maintenir. Mais là, à ce moment-là, elle puise sur la masse musculaire et sur la masse graisseuse, lipolyse et protéolyse, qui permettent de maintenir, vous voyez, plusieurs heures, et on pourrait dire jusqu'à plusieurs heures et jusqu'à jour, et où on peut maintenir un petit taux de glycémie convenable pour les tissus qui sont vraiment dépendant, et on citera en premier le cerveau qui a besoin de glucose, mais aussi le rein qui est le cœur qui préfère le glucose. Voilà. Alors la partie, elle est terminée. Elle était peut-être pénible, mais pour ceux qui ont pu la suivre avec nous, je crois qu'elle est capitale. Elle vous permettra de répondre pratiquement à, Inch'Allah, à toutes les questions. Alors, l'hypertension artérielle, premièrement. Et on va être très simple maintenant, on est pratique. On a une HTA qui ne peut pas jeûner. Shkoun, même Klushisom. Ceux qui ont une HTA résistante, c'est-à-dire ils prennent 4 médicaments d'hypertension artérielle, c'est-à-dire que 3 ne suffisent pas et qu'on est obligé de passer à 4, c'est une HTA résistante. Et là, il ne faut pas jeûner, c'est dangereux. Il y a trop de fluctuations et trop de risques d'hypo et de pics hypertensifs. Et deuxièmement, les HTA de grade 3. Tant qu'une HTA dépasse 18, c'est dangereux. Si c'est une HTA qui dépasse 18, qu'on va traiter, qui va se normaliser avec le traitement, on peut rediscuter après normalisation de la pression artérielle, on peut rediscuter Siam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme HTA qui ne peuvent pas jeûner? C'est les hypertensions avec insuffisance rénale. Dès qu'il y a un grade 3, que la filtration glomérulaire est inférieure à 60, eh bien le jeûne, vous avez vu tout ça, on ne revient pas sur l'hypovolémie, les 2 litres en moins, c'est comme si vous avez fait une insuffisance rénale fonctionnelle. Vous allez déshydrater et vous allez avoir de gros risques rénaux. Il y a les personnes diabétiques. HTA et diabète, c'est un couple qui n'est pas bon, même si le cardio et les diabétos s'entendent bien, mais
HTA et diabète est un mauvais couple et il est recommandé de ne pas jeûner dans ces situations-là. Ça expose énormément aux fluctuations tensionnelles et des fluctuations de glycémie et qui risquent de déraper. Et enfin, il y a l'âge physiologique qui compte parce que une personne, par exemple, qui a 80 ans, qui on va dire, cachectique, on l'envoie, je suis sûr, vous envoyez en consultation, et cachectique, elle n'a même pas de graisse, mais je dis l'hypolyse, la protéolyse, elle a rien, elle est très maigre, elle a 85 ans, elle pèse peut-être 40 ou 50 kilos. Quand on a des personnes âgées comme ça, c'est très dangereux. Ou s'il y a des risques, on n'est pas là pour les prendre. Au contraire, notre rôle de médecin, c'est d'éviter qu'il y ait des risques pour la santé. Et alhamdoulilah, notre religion ne nous impose pas au contraire, elle nous évite les risques. Et au final, je crois que c'est un paramètre important, c'est le nombre d'heures qu'on va jeûner et la température qu'il fait. J'y adjoindrai les efforts physiques qui sont produits pendant ces heures. Sachez qu'un hypertendu, par exemple, qui va jeûner 16 heures en été, la journée est très longue, très chaude, il va beaucoup se déshydrater et il est âgé à un certain âge, eh bien là, je dois en tenir compte pour dire que, et ça, c'est un problème qu'on a avec nos malades, quand nous chauffons en hiver, parfois on leur dit, vous pouvez jeûner, et puis 5 ans après, ou là 10 ans après, je pense que ça doit être 10, 15 ans après, on se retrouve en été, et me dit, écoutez, quatre lignes, une somme. Eh bien, écoutez, maintenant la journée est longue, et vous avez 15 ans de plus, monsieur. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir que c'est très important. On doit tenir compte de ces paramètres, l'âge physiologique, le nombre d'heures de jeûne. Et puis, vous voyez celles qui sont, on va dire, indiscutables. C'est HTA résistante, HTA grade 3, HTA plus insuffisance rénale, HTA plus diabète sont vraiment à gros risque à jeûner et on ne recommande pas le jeûne. Maintenant, on va dire, deuxièmement, dans l'hypertension, je voudrais parler un petit peu de la prise médicamenteuse parce qu'on nous pose souvent les questions. Alors, qu'est-ce que vous pensez, docteur? Regardez ce schéma, vous pourrez répondre à vos malades. La journée, quand il y a une hypovolémie, eh bien, parce qu'on jeûne, la pression artérielle peut baisser au cours de la journée. Mais dès qu'on s'assied au kanftro et qu'on boit un peu d'eau, une harira bien chaude, etc., la nuit, la pression remonte, elle peut remonter beaucoup. C'est une fluctuation de tension au cours de la journée. Et le conseil, c'est que, attention, n'arrêtez pas vos médicaments. On a des gens qui nous appellent, ils nous disent, ah, sbah, la tension, andi, hdash, oh, wesh nouqf doua, attention. Vous avez peut-être 11, mais attention, si vous arrêtez vos médicaments le soir, vous ne prenez pas le médicament, vous me faites un bon ftor et un bon dîner, vous vous retrouvez avec 20 de tension. Donc, on n'arrête pas son médicament juste parce que la journée, on a une petite tension. C'est normal, on bouge moins, on est plus reposé et on est en hypovolémie. Donc, c'est normal qu'elle baisse un peu et que la nuit, elle monte. Donc, les conclusions qu'on en prend, c'est que quel est le meilleur horaire de la prise? Si on a un seul médicament à prendre, et idéalement, vous le savez, les nouvelles recos, c'est deux médicaments en un seul comprimé et même trois médicaments en un seul
comprimé, quand il faut trois antihypertenseurs, eh bien, il faudrait mieux les prendre à l'horaire du ftor, juste après le ftor, une demi-heure après, une heure après, quand on aura bien mangé, que la tension est en train de remonter. Si on a une prise par jour, c'est le meilleur moment. Et donc, on est rassuré concernant cet horaire. Maintenant, et c'est pour ça je ferai un petit coucou à Novartis et félicitations à tous les labos, ils sont trois, je pense, à faire des médicaments où on a trois antihypertenseurs dans un seul comprimé. Donc, une félicitation parce que c'est quelque chose qu'on doit de plus en plus faire et que d'autres labos en dehors de ces trois devraient faire ça. Donc, une prise, Alftor. Maintenant, certains patients ont deux prises par jour. Eh bien, idéalement, je dirais, prise importante, celle qui serait au ftor, une heure après, et puis l'autre prise serait au sahur, juste avant l'adhan, avant sahur. Voilà, ça c'est les deux prises, c'est la recommandation. Alors, dernière chose sur l'hypertension artérielle, je voudrais vous donner cet exemple de cet homme, j'allais dire ce jeune homme, je ne sais pas si 50 ans est jeune ou pas, et qui a une HTA, qui est sous IEC, et qu'ils sont là, ils sont très belles. Et puis, parce qu'on se déshydrate, vous le savez, le risque de faire une crise de colique néphrétique est plus important qu'en dehors du Ramadan. Alors, classiquement, il va faire une crise de colique néphrétique. Il a très mal, très, très mal, tellement mal qu'il vomit. Et au bout du compte, on va lui prescrire, il va aux urgences, on lui fait une injection intramusculaire d'anti-inflammatoire. Il ne vomit plus, il n'a plus mal pendant les quelques heures. C'est une attitude très fréquente à l'Ebrahim, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Eh bien, regardez, suivez avec moi le schéma rénal. Peut-être vous le connaissez, mais c'est toujours bon de le rappeler. Nous avons le glomérule et la chambre urineuse. Eh bien, la pression afférente, elle est de 110 mm normalement. Et on a une différence 20-5 de débit de filtration qui ferait 15 mm de gradient. Donc, ça va être filtré ici et ça va passer dans la chambre urineuse, au niveau du glomérule et aller dans la chambre urineuse. Ça, c'est la physiologie. D'abord, quand on jeûne et qu'on est en hypovolémie, et c'est pour ça que c'est dangereux pour les insuffisants rénaux de jeûner, eh bien, si on a diarrhée, vomissement, insuffisance cardiaque, œdème des membres inférieurs, acide, adoculum, c'est des genres d'hypovolémie. Si on y ajoute SIAM, qui est aussi une hypovolémie, eh bien, voilà ce qui se passe. La pression de perfusion, elle va baisser beaucoup, la tension va baisser au cours de la journée, elle va baisser tellement que la différence entre le glomérule et la chambre urineuse, elle est basse et il n'y a même plus de force pour pousser la pré-urine et il n'y a pas de gradient entre le glomérule et la chambre urineuse, ce qui fait que, eh bien, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ça. C'est que les urines sont court-circuitées, il n'y a pratiquement, quasiment plus de filtration glomérulaire. Le sang qui arrive par l'afférente repart par l'efférente, il n'est pas filtré et il y a une insuffisance rénale. Heureusement, pendant ces conditions d'hypovolémie ou minhum siam, voilà ce qui se passe. Il y a deux choses qui aident beaucoup le rein. C'est pour préserver le débit de filtration, l'angiotensine 2 va dire l'artériole efférente,
et les prostaglandines réussiront l'artère afférente pour faciliter le flux et ici pour empêcher l'angiotensine 2, c'est un gendarme qui va empêcher la sortie de tout ce qui est passé par la chambre glomérulaire qui veut sortir par l'efférente, va être bloqué, il va préférer ce gradient, ça augmentera le gradient de pression et ça redonnera une diurèse et une filtration, surtout une filtration glomérulaire. Voilà. Quelle est la relation avec le cœur? Et ce malade qu'on vient de voir, c'est qu'un malade qui prend un IEC ou un ARA2, il n'y aura plus cette action protectrice. Siam. Un patient qui prend des anti-inflammatoires n'aura plus cette action de protection. Eh bien, c'est pour ça que la veille de Ramadan, quand il faudrait dire aux malades qui prennent un IEC ou un ARA2, s'il vous plaît, charbon bzabli, beaucoup, et attention, si vous avez des diarrhées, vomissements, aula, les gens bien sûr qui ont des œdèmes, acides, rama, insuffisance cardiaque, ramarée, ils sont moches, mais ceux qui ont diarrhées, vomissements, à ce moment-là, attention, s'il y a diarrhée ou vomissement, arrêtez temporairement l'IEC, l'ARA2 après prise de tension. Parce qu'en général, la tension baisse. Un, je m'empêche le médicament pendant quelques jours. Et deux, il va bousiller ses reins. Donc, pendant le ramadan, on redouble de vigilance avec les IEC, les ARA2, parce que au moindre déshydratation et diarrhée, vomissement, ils peuvent se retrouver, comme ici sur ce schéma, en insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle pour les premiers jours. Mais attention, c'est dangereux. Dès qu'il y a diarrhée, vomissement, on prend la tension, on va la voir qu'elle a baissé, on arrête temporairement l'IEC ou la RA2. Et le deuxième conseil, les anti-inflammatoires, Tahoma, attention, pendant tout le ramadan, mais aussi en dehors du ramadan, là, ils sont aussi souvent dangereux. Avant de les prescrire, assurez-vous de l'état cardiaque, rénal, la présence ou pas d'un asthme et beaucoup d'autres choses. Voilà. Voilà ce qui se passe si on donne un IEC, ARA2 ou un anti-inflammatoire non stéroïdien, on se retrouve avec une insuffisance rénale. Donc, je reviens à mon malade. Il prend un IEC. Il jeûne, il a fait une colique néphritique et on lui injecte un anti-inflammatoire. Oh! Et si on voit ça comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? Oh purée, Siam, il lui a fait perdre 2,5 litres. Bon, il a vomi, il a encore perdu plus. Je suis dans une situation grave, il a peut-être perdu 3 litres. Et en plus, et on lui dit, si tu as une crise, il ne faut pas boire. Alors, il n'a même pas bu. Jalmorov, il n'a pas bu. Et en plus de tout ça, il prend l'IEC et on l'achève avec l'injection d'anti-inflammatoire. Mon message, attention, une injection d'anti-inflammatoire peut achever un malade qui prend un IEC dans des conditions comme ça. Avant de prescrire un anti-inflammatoire, réfléchissez doublement. C'est ça mon message. Voilà, parce qu'on se retrouve avec une insuffisance rénale aiguë. Et en cardiologie, faites attention, très attention à ceux qui prennent IEC, ARA2, diurétique. Ils continuent à prendre Ramadan, mais redoubler d'attention au cas où il y aurait une hypovolémie qui s'installe. Maintenant, je voudrais parler de la maladie coronaire parce que il nous pose la question, est-ce que je peux jeûner? J'ai un stent. Alors, je voudrais rappeler le rôle et l'importance du glucose pour le cœur.
Et sans trop rentrer dans les détails, je vais vous dire que normalement, en condition aérobique, c'est-à-dire en l'absence d'ischémie myocardique et de maladie coronaire, le cœur utilise les acides gras comme source énergétique, beaucoup plus que le glucose. Mais quand on est en ischémie, c'est-à-dire un coronarien, regardez, il utilisera le glucose autant, sinon plus que les acides gras comme source d'énergie. Alors, il a maintenant les deux conditions. Un do une ischémie parce qu'il est coronarien ou un hido l'oscar alors que c'est le moment où il a le plus besoin du glucose, c'est quand il est coronarien, eh bien, on risque d'avoir une décompensation et une ischémie qui s'aggrave, sans compter tout ce qu'on a dit tout à l'heure du système sympathique, randirolo, l'hyperagrégabilité plaquettaire du jeun, on va tachycardie, augmentation du travail cardiaque, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, plus dans le sens où on va lui réduire le glucose alors qu'il est dans des conditions d'ischémie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et ça explique pourquoi le jeûne est difficile quand on a une maladie coronaire. Deuxième chose importante, quand on a une ischémie, pourquoi ça se passe comme ça et on préfère le glucose? Parce que dans les conditions normales, sans maladie coronaire, quand on donne du glucose, il nous donne 36 ATP pour le muscle cardiaque. Quand on donne un acide gras, il nous donne 129 ATP dans les conditions normales. C'est pour ça que dans les conditions normales, ici à gauche, sur votre gauche, vous voyez très bien que s'il est en aérobie normale, même le glucose, il préfère les acides gras. Ou à l'échine, comme vous le voyez sur votre droite, eh bien, s'il est en ischémie, regardez la différence. S'il est en ischémie myocardique et qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène, dit que l'oxygène, un seul oxygène, c'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser la voie du glucose ou la voie des acides gras? Si on a peu d'oxygène, eh bien, les acides gras avec un oxygène vont nous rapporter 5,6 ATP, alors que le glucose avec un oxygène nous rapporte 6,4 ATP. C'est-à-dire, quand il y a une ischémie, on préfère le glucose. Voilà, c'est le message. Et pour comprendre tout ce schéma, en cas d'ischémie myocardique. Donc, le message, c'est quoi pour le coronarien? C'est pour ça que quand il y a SIEM, quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu, on va cataboliser le glycogène, on va casser le glycogène pour produire le glucose. Et on va bloquer la phosphofructokinase, on va tout faire pour avoir une glycémie qui monte. Voilà. Et on va utiliser les acides gras. Mais quand il y a une ischémie, eh bien, le rendement est mauvais avec les acides gras. Donc, toujours, et ce serait peut-être un petit peu la fin sur la maladie coronaire, juste je vous dis attention à la glycémie chez le coronarien et ça m'ouvre un chapitre. Je ne peux pas passer sans vous en parler. Le débit, par exemple, de cette coronaire droite est de 150 ml par minute. S'il a une glycémie à 1 g par litre, il n'a pas de sténose, il n'est pas coronarien, eh bien, le nombre de moles de glucose qui lui arrive, c'est 150 fois 1, 150. Maintenant, s'il a une sténose et vous voyez la flèche, le débit ici, il est très faible, il est pratiquement, c'est une sténose très serrée, et ce qui fait que le débit, au lieu de 150, il est à 15 millilitres minute. Et imaginez, à 15 millilitres minute, on va lui apporter à cette région uniquement 15 moles au lieu de 150.
molle, c'est-à-dire que pour une glycémie à 1 gramme, on amène 10 fois moins de glucose dans cette région. Voilà, 10 fois moins de glucose. Il a peut-être la glycémie 0,8, eh bien, au lieu de 15, on a 12. Et il va vraiment, vraiment le ressentir. Déjà, quand il y a une sténose, et c'est ça mon message, quand il y a une sténose serrée, la quantité de glucose qui arrive dans une région en aval de la sténose serrée, elle est 10 fois moindre par rapport à un débit normal. Et donc, le muscle cardiaque va ressentir ça beaucoup plus tôt. C'est pour ça que toutes les recos depuis 5-6 ans nous disent chez les diabétiques qui sont coronariens, qui ont des TAR, eh bien, il faut aller vers des valeurs d'hémoglobine glycée plus élevées, par exemple chez le coronarien. Alors, tout ça, on le dit pour revenir au Siam, pour dire que ceux qui ont une maladie coronaire, je leur dirai, ne jeûnez pas. Il ne faut pas jeûner. Maintenant, vous allez me dire tout à l'heure, vous avez tenu compte du nombre d'heures de jeûne, vous avez tenu compte de l'âge physiologique, vous avez tenu compte de beaucoup de paramètres. Eh bien, si on peut prendre en compte ces paramètres, si on connaît, c'est pour ça que j'ai tenu à vous expliquer les détails. Il vaut mieux dire ne jeûnez pas. Maintenant, vous pouvez avoir une personne qui a 50 ans, j'allais encore dire jeune coronarien. Oui, il est jeune pour être coronarien. À 50 ans, il a fait son infarctus il y a plus d'un an, il est stenté, il n'y a pas d'ischémie myocardique, il n'a pas de douleur, il fait une épreuve d'effort, une scintille, il n'y a pas d'ischémie. Il n'a pas d'atteinte rénale, il n'a pas d'hypertension, il n'a pas de diabète. Eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas les longues journées d'été, il ne va pas être déshydraté. Peut-être qu'on peut discuter chez certains cas. Ou à l'Arlebia, ou à la CMS, si on n'est pas sûr, eh bien, il vaut mieux ne pas prendre de risque. Din Youssef. Voilà. Je terminerai par le sport. Et vous voyez que pendant le mois de Ramadan, il y en a beaucoup qui commencent à faire du sport, alors que Mamoul Vjgak et Deryadat et Jiromdar qui digèrent. Alors, si on a compris tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je crois que c'est complètement fou, et je redis, c'est complètement fou, fou de se mettre à courir ou à faire un sport à Njeri, on est en hypovolémie, en hyperadrénergie, on active tous les systèmes, on est au feu rouge. Voilà. Et pour terminer avec le sport, beaucoup de gens nous disent ouais, le sportif, il fait des accidents cardiovasculaires. Et beaucoup de gens se disent ah, là, je ne vais rien faire, je risque rien. Alors, je vous parlais des études de mortalité cardiaque en fonction de notre niveau de sport. Si on est sédentaire, on ne bouge pas. Ouais, le zéro sport, le volume que vous voyez là, la superficie, elle est aussi grande que le risque cardiovasculaire. Kbir bzef. Kbir bzef. Maintenant, si quelqu'un qui fait la marche le dimanche, c'est le même risque. Et je parle du risque de mortalité à long terme. C'est-à-dire, ouais, d'être à Stéphane, ou rattraper le cholestérol, ou de la glycémie, réduire les événements cardiaques dans 10 ans. Ceux qui font pas de sport et ceux qui le font uniquement la marche le dimanche, gros risque. Il y a un très gros risque cardiaque. Par contre, celui qui court régulièrement, qui fait une activité physique régulière, qui est du sport d'endurance régulièrement, réduit son risque cardiaque quasiment de moitié dans les 10 ans. C'est formidable. Maintenant, rendu à là le risque de mort subite, c'est-à-dire wa kijri ota. Eh bien, la mort subite chez le sujet
qui est sédentaire, qui ne fait pas de sport, eh ben, il a pas de risque. Le risque de mort subite, on va dire qu'il est faible parce qu'il ne court pas. Et c'est pendant on parle de la mort subite au cours d'un effort. Celui qui est occasionnel, regardez. Le risque de mort subite chez un sédentaire est plus petit que celui qui fait un sport occasionnel. Ramadan, occasionnel, ou Ramadan, regardez son risque. C'est très grand, je dirais 10 fois plus que celui qui ne fait même pas de marche Ramadan. Donc, l'ashrajri, ça ne te sert à rien à long terme, puisque courir uniquement occasionnellement Ramadan, ça ne réduira pas ta mortalité cardiaque et ça augmente ton risque de mort subite. Alors que celui qui est régulier, eh bien, le risque de mort subite, regardez-le, il est plus grand que celui-là. Bien sûr, parce qu'il fait de grands efforts, mais il est nettement plus petit que celui-là. Et si vous faites ça plus ça, c'est beaucoup plus petit que ça plus ça ou ça plus ça. Voilà. Donc le message pour Ramadan Shnawa dans le sport, les plus jeunes, moins de 30 ans, si vous marchez 1 heure, marchez que la moitié, une demi-heure. Si vous, les jeunes, je parle de moins de 30 ans, qui sont en bonne santé, qui n'ont aucun problème, si vous avez l'habitude de faire d'un petit footing à petite foulée, eh bien divisez le temps en deux. Pour les plus de 30 ans, divisez le temps par quatre. Voilà, et bien sûr, évitez les efforts juste avant les sprints, avant l'Eden. Voilà. Maintenant, le régime, c'est ma dernière diapo officielle. Le régime, le ramadan et le jeûne est fait pour améliorer les métabolismes, aussi bien lipidiques que glucidiques que protéiques, et donc améliorer les risques, réduire les risques de diabète pour les gens non diabétiques. Ça améliorera aussi l'hypertension chez ceux qui ne sont pas à haut risque. Ça améliore énormément tous les paramètres métaboliques et ça diminue l'insulino-résistance. C'est formidable. Mais attention, il a pour que la nuit, on mange le double ou le triple de ce qu'on a l'habitude de manger, le résultat est plus grave. Regardez, je vais comparer en haut une journée normale, petit déjeuner et déjeuner d'une journée normale, et ici, Ramadan, un ftor, un deuxième ftor et un dîner. Et alors, quand on compte tout ça en calories, et ce n'est pas fini. Baqi Sahur. Ah oui, il ne faut pas oublier Sahur. Quand on compte tout ça c'est une journée normale, les deux premières. Ça, c'est tout ce qui est en bas, c'est Ramadan. Quand on compte les calories, 2500 une journée normale, 4000 Ramadan. Si on fait le total, ben écoutez, si on mange énormément, on finira en journée, on mange rien, mais le soir, on mange beaucoup plus. Et au final, d'équilibrer le métabolisme glucidique, lipidique et protéique, on a tout perdu, tout perdu. On va tout augmenter. À la fin de Ramadan, la tension augmente, le cholestérol augmente, la glycémie augmente et bien sûr, on grossit. Donc le message, à la fin de Ramadan, pesez-vous, la veille de Ramadan, pesez-vous à la fin de Ramadan. Et si vous avez pris du poids, c'est que le métabolisme a été anabolisant et pas catabolisant. Et ça, ce n'est pas une bonne chose du tout. Voilà. Bon, moi, j'ai terminé. J'ai laissé exprès du temps pour la discussion. Et je voudrais vous dire un message. Ceux qui aiment l'hypertension, et si vous êtes là aujourd'hui à être pratiquement, je pense, une centaine, c'est que bravo, tabarakallah alaykoum, al-Hakim. C'est que vous vous intéressez parce que deux thèmes d'hypertension rapprochés
En plus, avec le même orateur, si vous êtes là, c'est que vous adorez l'hypertension artérielle. Donc, si vous adorez l'HTA, aide-le moi, il y a la nouvelle réunion de l'European Society d'Hypertension et l'International Society d'Hypertension le 11 au 14 avril. Et on était très contents, c'est Glasgow, ce serait très bien, on est invité. On prépare les valises. Non, il n'y a pas de valise. Regardez comment ça a changé. Il y a la Pratsuera qui est la même. Et c'est devenu on air. C'est-à-dire, eh ben juste en zoom et uniquement. C'était Glasgow, c'est devenu on air. C'est les mêmes dates, mais ça nous donne une chance à tout le monde qui s'intéresse à l'hypertension, qui veut connaître les dernières choses de l'hypertension. Eh bien, c'est du 11 au 14. Mais je vous promets qu'après, on fera une session spéciale où on vous parlera de toutes les nouveautés, Inch'Allah, de l'hypertension artérielle, new, pendant le mois de Ramadan. Voilà, c'était ma première annonce. La deuxième, la Ramadan, la Société marocaine de cardiologie a préparé des spots, des messages à diffuser, et je demanderai aux confrères aussi d'aider à leur diffusion, sur les réseaux sociaux, mais aussi, j'espère, ça passera sur les radios aussi, pour dire, voilà, si vous avez une HTA, si vous avez une maladie cardiaque, qui peut jeûner, qui ne peut pas jeûner, je crois que ça viendra compléter ce qu'on vient de dire maintenant. Et mon troisième message, pour ceux qui se sont intéressés et à ma promesse IEC et ARA2, quel IEC, quel ARA2 chez les patients. Mon troisième message, c'est que ces diapos, on les met en ligne dans quelques minutes, Inch'Allah, sur Instagram, cardiologie.101. Et merci les Casablancais, grâce à Al-Hakim, il y a plus de Casablancais qu'auparavant. Et j'espère que Casablanca, elle n'est pas encore le numéro un de toutes les villes, mais Inch'Allah, qu'elle y arrivera. Et je vous remercie. J'arrête mon partage pour les questions, elles sont les bienvenues. Qu'est-ce que je peux vous dire, Oustad? Wallahi jazik bekher. On est toujours gâtés avec vous. Merci. Plein d'informations. Il y a eu beaucoup de questions dans nos têtes. Personnellement, j'ai eu beaucoup de réponses à plusieurs questions que j'avais, surtout cœur et ramadan. Parce que nous avons parlé de l'HTA et ramadan, mais votre générosité, votre karama, Oustad, vous avez de vous-même... Vous nous avez donné ce cadeau. Merci beaucoup à Oustad, à la veille de Ramadan. Allah yarham le walidin, Allah yajzik bekhair. Oustad, j'ai quelques petites questions avant que j'entame la lecture des questions des collègues. Est-ce que, comme à ce qu'ont fait nos amis diabétologues et endocrinologues, ils ont scoré un peu le risque de diabète et le jeûne. Est-ce qu'à l'échelle internationale, il n'y a pas des études dans ce sens qui ont un peu stratifié ou codifié comme le risque cardiovasculaire? Cette personne, il a un nombre de points, il peut jeûner. Celui-là, il n'a pas. Est-ce qu'il ne peut pas jeûner? Malheureusement, à ma connaissance, en tout cas, McCain Chachi pour le cœur, malheureusement, je dis malheureusement, et l'explication, elle est simple, c'est qu'il faut réunir les cardios de tout le monde qui gêne, tout le monde islamique. Il faudrait faire des études dans plusieurs pays et je crois que tant qu'on n'a pas ces études-là, elles n'ont pas encore été faites, tant qu'on n'a pas ces études-là, on ne peut pas avoir un consensus et avoir un score parce que les scores sont basés sur des études donc, ou des consensus. Mais en tout cas, il n'y a pas encore eu de consensus comme ça. On ne demande que ça, et je crois que c'est à nous chacun, à l'échelle individuelle, pour essayer. Il a Taouna Koulchi, par exemple, les sociétés savantes, les associations, les ADA, pour faire, par exemple, ne serait-ce que des questionnaires, des petites études. C'est vraiment, il faut que tout le monde contribue, et que les sociétés savantes nous préparent une étude, et qu'on pourra répondre, scorer, et répondre à beaucoup de questions concernant Ramadan. D'accord.
Vous nous avez très bien expliqué, Oustad, la physiopathologie un peu et l'implication, que ce soit du cœur ou du rein, dans la régulation de l'HTA. C'est un peu comme dans le diabète. La maladie rénale est toujours incriminée, que ce soit dans l'HTA ou là dans le diabète. Et parfois, on est, comment dirais-je, devant des bilans où on a par exemple, la DFG qui commence à dépasser les 130, les 140. Et puis les malades ne comprennent pas. Qu'en est-il de l'hyperfiltration glomérulaire et comment ça commence la maladie rénale? Si vous permettez, Allah, j'explique. Alors, l'hyperfiltration, c'est surtout beaucoup dans le diabète et ni dans l'hypertension artérielle. On n'a pas souvent cette constatation d'hyperfiltration. Parfois, la prise de diurétique, parfois des situations très particulières, il y a une hyperfiltration. Mais on va dire que dans l'HTA, il y a surtout une hyperpression. Et cette hyperpression, c'est elle qui va léser les podocytes et les pédicelles qui sont autour du glomérule et qui vont laisser fuir l'albumine. Ça explique l'albuminurie dans l'hypertension artérielle. Mais hyperfiltration dans le terme, dans le sens où vous parlez, c'est surtout en diabéto, pas vraiment en cardio. Vous l'avez bien mentionné, Oustad, le couple diabète-HTA, c'est un mauvais couple. Et souvent, on est devant des patients hypertendus, diabétiques. Quelle est la meilleure bithérapie proposée à ce genre de patients? Et avec Ramadan, vu ce que vous nous avez dit sur les bloqueurs système rénine-angiotensine, est-ce que si un malade diabétique hypertendu insiste à jeûner, est-ce qu'il faut lui changer son traitement ou il faut l'adapter ou comment faire? C'est une question très importante et je dirais que sa réponse, il y a une réponse, petite réponse directe et une réponse plus large. La première réponse, Washran, la première chose que je vais me poser, Hatsid Braïsom, de force, est-ce que si moi, franchement, je suis convaincu qu'il ne faut pas qu'il jeûne, parce que c'est ma responsabilité. Si maintenant, dans son cas, et c'est les cas borderline dont on a parlé, où on se dit, à la rigueur, il peut jeûner et on va surveiller, bon, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin, le système rénine, on le garde et on va lui dire attention s'il y a des vomissements ou diarrhée ou la hypovolémie. Donc, on ne va pas changer le système rénine. Je me pose la question, surtout si c'est un malade, nouveau malade arrivant, peut-être que je préférerais système rénine et calcique plutôt que système rénine et diurétique. Pour diabétique. Voilà, pour le diabétique ou non diabétique qui va commencer à jeûner, qui soit hypertendu, Ramadan. Je préférerais le calcique en association au système rénine. Mais si c'est un malade qui est déjà sous traitement et stabilisé, je ne touche pas à son traitement. Okay. Donc on attaque les questions à Oustad. Ouais. Du fait du risque de thrombose avec le jeûne, que pensez-vous de la vaccination COVID pendant le mois de Ramadan? Ah, ouais. Est-ce qu'il faudrait qu'il... Il a qu'à aider le vaccin, ça je ne peux pas vous répondre, je ne saurais pas vous répondre, mais je crois que bon, le risque de thrombose, on l'a vu au cours de la vaccination, c'est un effet rare officiel par l'Agence européenne des médicaments, c'est un effet rare chez les plus jeunes, très rare chez les plus jeunes. Donc, Yani, d'abord, la tranche d'âge qui se vaccine jusqu'à 50, 60 ADA, normalement, y a aucun risque. Maintenant, les plus jeunes qui ont déjà d'autres problèmes de santé, ça, c'est des choses nouvelles avec ce vaccin. C'est très rare, il est maintenu, mais pour les plus jeunes, c'est un effet tellement rare que si on n'a pas de maladie, c'est comme un risque de prendre l'avion à Oula. Si c'est 1 sur 500 000, par exemple, c'est un tellement petit risque que
pour l'instant, on n'interdit pas. On sait très bien qu'en Europe, ils préconisent pour beaucoup de pays les plus de 55 ans, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve d'un danger sérieux avec ce vaccin, en tout cas pour les thromboses. C'est un phénomène de 1 sur 500 000 à l'heure d'aujourd'hui. Vous savez, ça avance et puis il y a plus d'études, il y a plus de choses. Ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas valable demain. Donc, pour l'instant, rien de particulier, Framberg. On D'accord. continue à vacciner et il n'y a aucun problème à vacciner. Bonjour professeur, formidable présentation. Dans le cas évoqué de colique néphrétique, remplacer l'AINS par des dérivés morphiniques, est-ce que ça peut sauvegarder les reins? Oui, s'il y a des douleurs atroces chez ce monsieur-là, eh ben, il vaut mieux un morphinique plutôt qu'un anti-inflammatoire parce que dans cette situation particulière. D'accord. Bonsoir, professeur. Merci pour cet excellent exposé. S'il vous plaît, si on arrête l'IEC ou l'ARA2 en cas de jeûne et d'hypotension suite à l'hypovolémie, quand reprendre son traitement? Alors, il y a une chose qu'on a dit tout à l'heure. L'hypotension, l'hypovolémie, c'est la nuit. Pardon, c'est le jour. La nuit, c'est-à-dire que, attention, on n'arrête pas l'IEC, on le prend mal, moro, parce que quand on aura mangé et bu, la tension va monter. Ça, c'est très important. On n'arrête pas l'IEC parce qu'il y a une hypovolémie. L'hypovolémie du ramadan, elle existe. C'est pour ça qu'il vaut mieux le donner après avoir bien mangé une demi-heure ou une heure après, et c'est une bonne indication, mais on l'arrête pas à cause de l'hypovolémie du ramadan. D'accord. Vous avez parlé des malades sous IEC et ARA2. Qu'en est-il des malades sous amlodipine? En général, sous amlodipine, il y a pas ce risque rénal lié à l'hypo. On va dire à l'hypovolémie. Il n'y a pas de risque rénal lié à l'hypovolémie, en tout cas il est nettement moindre parce que le rôle du système rénine, on l'a vu, c'était de resserrer l'artère efférente et là on le bloque avec les IEC et l'ARA2. Maintenant cet effet avec les calciques, il n'y a pas de problème. D'accord. S'il vous plaît, quel est le meilleur moment pour le sport au cours du mois de Ramadan? Alors, je vous dis, il y a eu quelques études qui se sont dit on va le faire après manger, à condition de ne pas trop manger à Outani, faire une marche après matin l'achat ou après le temps, ce serait bien. Je dirais pour les personnes d'un certain âge, peut-être au-delà de 40-50 ans, et les plus jeunes qui on l'a dit, ils peuvent se permettre de faire leur sport même avant 1 heure ou 2 heures avant, mais il ne faut pas forcer, on l'a dit, réduire l'intensité et la durée. L'intensité et la durée. Mais pour les plus âgés ou ceux qui ont des pathologies, faire leur marche après le mohrab, après l'iftar par exemple. Jazakumullahu khaira, vous êtes magnifique. S'il vous plaît, qu'en est-il d'une personne qui présente une hypotension plus vertige lors du mois de Ramadan? Ben c'est physiologique, vous avez vu les mécanismes au cours de la journée. C'est normal d'avoir des hypotensions, surtout si on n'a pas bien bu la nuit. Alors, s'il vous plaît, buvez, il faut boire, boire, boire pour éviter l'hypovolémie, mais c'est des choses normales d'avoir une hypotension. Et puis, le corps va s'adapter. Peut-être le premier jour, ça va être comme ça, et après, on s'adapte. Et si on ne s'adapte pas, si c'est très sévère, il faut pousser les investigations, il faut faire des tests pour savoir d'où ça vient. Il y a une collègue qui veut partager le cas d'une patiente à elle, âgée de 43 ans, hypertendue depuis 5 ans, bien contrôlée sous régime peu salé. Est-ce qu'elle peut continuer
ces séances d'activité physique intense de 3 fois par semaine pendant Ramadan, après le sport? Si oui, quel est le meilleur moment? Alors, après le iftar, elle peut le faire si on n'est pas. Parce que chaud, il faut garder pour le cœur, il faut garder un petit peu la raison. Il a travaillé toute la journée, il a beaucoup mangé. Son sport intensif, ça ne marche pas. Il ne faut pas. Maintenant, s'il a une journée normale et qu'il a mangé cette dame-là qui a 45 ans, elle mange juste ce qu'il faut et qu'elle a bien digéré, qu'elle veut faire une séance de sport intense, pourquoi pas? Elle n'est pas en hypoglycémie, elle n'est pas en hypovolémie, elle n'a pas fait d'effort. Si elle est bien équilibrée, le soir, il n'y a pas de problème. Comment faire devant un coronarien qui insiste à jeûner? Merci, sur le plan pratique. Ouais, sur le plan, oui, c'est important. Sur le plan pratique, il y a deux situations. Loula, je sais que Marceau chez son, c'est-à-dire il vient de faire son infarctus, il a des douleurs de temps en temps, il a une épreuve d'effort positive. Il est coronarien, il est actif, dans le sens où la maladie coronaire, elle est vraiment parlante. Adek, je ne discute pas avec lui. Je lui dis, Adek, doit dire il se fâche qu'il s'en aille. Maintenant, on a vu que la plupart des coronariens, il vaut mieux leur dire, mais ils sont moches. Mais dans certaines situations, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est relativement jeune, il n'a pas d'ischémie sur les examens, il se sent bien, il fait d'habitude son sport et tout. On pourrait l'autoriser à jeûner. Et surveiller. Voilà. S'il vous plaît, Ostad, l'horaire de prise des diurétiques bêta-bloqueurs et Saint-Trombe au cours du mois de Ramadan. Alors, la prise de bêta-bloqueur, quoi d'autre? Diurétiques bêta-bloqueurs et Saint-Trombe. Voilà. Alors, le Saint-Trombe, on aime bien le donner à des heures fixes. Et donc, en général, canapé ou les malades à 20 heures. Je pense que 20h ou la 21h, qu'on ait mangé ou pas mangé, le Saint-Trombe, ce n'est pas un problème. C'est à heure fixe et en général 20h ou 21h. Oui. Maintenant, pour les bêta-bloquants et pour les diurétiques, il vaut mieux que ce soit après le ftor, c'est-à-dire une heure ou une. Le bêta-bloquant, vous avez dû remarquer que beaucoup de personnes viennent consulter. Donc, l'intérêt du bêta-bloquant pour éviter cette réactivité du système sympathique, le bêta-bloquant une demi-heure après l'effort. Et le diurétique également. Il y a une consoeur qui pose la question concernant sa maman, qui est sous amlodipine 5, Staticol, Cardégic 160, Sotalex, Sotalol 80, 2 fois par jour. Comment répartir pendant Ramadan? Ado, chaque fois qu'on pose des questions comme ça, Kangoulom, Machi, comment répartir? Il faut pas jeûner. Parce que le sotalol, le sotalex, c'est des antiarythmiques. Et très souvent, ces gens ont des troubles du rythme assez sérieux, avec l'hypertension, avec Ada. Et ça, c'est au cas par cas. Adsida, Bradoui, le confrère, a fait à mon téléphone, il faut poser des questions, des détails, ouais, donc, et puis avec plaisir, il n'y a pas de problème. Faut-il alléger le régime sans sel durant Ramadan? Non, 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 il faut maintenir parce que la nuit, peut-être là, observe la tension. D'accord. Tout à l'heure pour le couple diabète HTR, hors le contexte de Ramadan, quelle est la meilleure bithérapie préconisée comme antihypertenseur? Eh ben, on parle en recommandations. Les Européens nous avaient dit en 2018
vous pouvez donner système rénine plus diurétique ou la système rénine plus calcique. En 2020, les nouvelles recours de la Société internationale d'hypertension, ils nous disent on préfère système rénine plus calcique. Sauf certaines personnes où on va préférer système rénine plus diurétique. Mais nous, les insuffisants cardiaques, mais nous, les intolérants au calcique, quand il y a certaines post-AVC, en tout cas. Pour le commun, les recommandations préfèrent système rénine plus calcique. Système rénine plus calcique. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. À moi, si je n'ai pas vu une question, je vais revoir. Ok, notre consoeur demande votre téléphone, on va lui passer au 7. Et une consoeur qui pose la question concernant la page Instagram, est-ce que c'est possible de la partager avec les patients si c'est pas jeune? Il n'y a aucun problème de la partager avec les patients. Parfois, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre des choses parce qu'elle est médicale, mais il n'y a aucun problème. Ceux qui veulent les partager, mais bien sûr, avec plaisir. Je vais partager d'abord avec les confrères pour qu'ils profitent. Bien sûr. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, bravo à vous pour le choix du thème. Bravo, Tawakkallah, docteur Tahri. Vous êtes une bonne vision pour avoir le timing du Ramadan. Je crois que c'est le meilleur moment. On est à quelques jours du Ramadan. Et c'est un thème très, très important. Merci beaucoup, Oustad. Avant de clôturer, je vais passer la parole à Madame Tramé Batul de Novartis, qui va nous dire un petit bonjour. Et à vous la parole, Batul. Bonsoir. Donc, Wishem Brouka. Oui, merci. Au nom des laboratoires Novartis, je tiens à remercier l'association Al-Hakim, qui veille toujours à assurer une formation médicale continue de qualité. Nous la remercions aussi pour l'effort fourni de nous réunir autour de ce webinaire à la veille du Ramadan pour une meilleure prise en charge du patient hypertendu. Aussi, je remercie le professeur Al-Alami par son imminente présentation et les réponses apportées, pour les situations vis-à-vis de vos patients. Aussi, je remercie au nom des laboratoires Novartis et à mon nom personnellement des médecins qui ont répondu favorablement à ce webinaire. Et je tiens à informer la majorité des médecins que pour une meilleure prise en charge de vos patients hypertendus, donc vous avez l'Exforge, qui est un excellent produit pour une meilleure prise en charge des patients hypertendus. Et sachez qu'avec Exforge, votre patient hypertendu sera pris convenablement et que la gamme Exforge a connu une baisse de prix et toute la gamme, elle est très accessible. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à Export, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci, Batul. On se fera le plaisir de te les poser lors de ton passage, Inch'Allah, dans nos cabinets. Inch'Allah, Rahman Rahim. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup, professeur Al-Alami, pour la tenue de votre promesse parce que vous nous avez promis la classification des EEC ARA2 lors du dernier webinaire. Merci beaucoup, Oustad Lertek. C'est toujours un plaisir de vous écouter et d'apprendre avec vous. Merci les laboratoires Novartis de nous avoir permis cette réunion. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, incessamment, Fondan. On va attendre les dernières recommandations après le 11 et le 11, du 11 jusqu'à 14 avril. Et on frappera à votre porte encore une fois, Oustad, pour partager avec nous toutes les nouveautés et toutes les nouvelles recommandations concernant l'HTA, qui est un sujet de tous les jours dans nos cabinets de médecine générale. Mille merci, Oustad. Allah yirham el walidin. Ramadan Moubarak. Merci Novartis et à très bientôt. Merci. Et merci à notre ami Khalil de l'agence qui nous a permis la tenue de cette réunion. Merci. Merci. Au revoir.